Oui, je sais, ça fait longtemps, hein. Coucou la popule. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo make-up de la face. Hein. Je vais on va se faire un petit make-up. Donc, ça changera des deux derniers make-up que j'ai fait pour Fosse et Jade. Parce que du coup, là, je vais vous parler. Moi, vous, on va discuter. Enfin, je vais vous parler, donc, comme vous me l'avez conseillé. Et je dois avouer que ça va me faire bizarre. Je vais me la faire un peu à la... Ah, je pensais que j'avais un truc noir, mais en fait, non, c'est que nombre. Donc, du coup, je vais me la jouer un peu à la... On joue à Phoenix. Ouais, parfois, je regarde le retour. Parfois, je regarde vous. Faut que je m'habitue. C'est... Merde, quoi. Laisse-moi le temps de m'y faire. Ok. Je vous parle pas plus longtemps, ça sera un make-up de la Miku Sakura que je vous mets juste ici. Voilà, c'est la waifu, elle est d'une beauté indescriptible, on peut pas le... Voilà, c'est Miku quoi. Donc du coup, je vous laisse avec la suite. Comme aussi, nous allons mettre le filasse de la Gambérasse. Un truc qui te fait vraiment une bonne tête de chibre. Ah, Seigneur Dieu, qu'est-ce qu'on a l'air d'une cantinière avec ces trucs-là. C'est toujours glamour. Attention. Alors on a tous des techniques différentes hein, pour mettre le filet. Moi là je suis l'aveugle pendant 2 secondes. Ah ouais, je me fouette le visage aussi. Et des petits poils de cul. Et voilà, on a tous nos techniques. Moi j'ai de la chance de pas avoir beaucoup de poils sur le caillou. Et de pouvoir le mettre à la wall again, genre même si j'ai des poils de cul qui dépassent. Ce n'est pas bien grave. Petite parenthèse par contre avant de commencer. Alors mon vocabulaire niveau make-up c'est de la daube, hein, clairement. C'est une grosse daube. J'ai fait un make-up pour vous montrer comment ça rend en fait. Donc vous n'êtes pas obligé de faire les mêmes techniques que moi. Hein. Chacun ses techniques. Hein. Commencez. Hein. Alors j'ai pas du tout des produits make-up genre qui viennent de je sais pas où. Hein. On va un peu la race. Donc du coup moi là je vais mettre un primer. Yes. Une base de chez... Action, voilà, de chez Action. Voilà, elle, c'est une base en lumineuse de chez Action. Et c'est un MAC, Marc. C'est MAC, c'est mort, make-up. Donc, moi, j'aime bien cette base parce qu'en vrai, genre, elle m'a coûté. Ça fait trop la ratasse en mode. Ouais, elle m'a coûté que 2,50€, donc c'est pour ça que je l'ai pris. En grande partie. Mais aussi, genre, elle est super bien. En fait, ça va faire quand même 3 mois que je l'ai. Et elle est même pas à la moitié. Et elle a pas infini qui colle. Et vu la masse de fond de teint que je mets quand je fais du cosplay et que j'ai une peau assez acnéique, pardon, c'est pas élégant du tout, mais le septembre c'est pas possible. Rentre, putain de merde! Comme je disais, vu que j'ai une peau acnéique, et bah en vrai ça va, je pourrais me sortir avec plus de ch'tar que ça, mais je m'en sors quand même pas mal du tout. Moi, pour faire mon teint, avant, putain, tant j'utilisais ce genre de petit pinceau là. Sauf qu'en ce moment, bah, j'ai la flemme, c'est chiant, j'aime pas trop le rendu que ça donne. Donc, du coup, j'utilise my beauty blender que je mouille en fait juste avant pour qu'elle soit bien molle. Enfin, de toute façon, apparemment, faut mouiller une beauty blender. Donc, du coup, moi, la mienne, je la mouille, mais après, tu fais ce que tu veux, hein, c'est ta life, c'est. Tu fais ce que tu veux. J'utilise le dermacol. J'utilise pas ça sur ma peau tous les jours, donc du coup, c'est plus que pour cosplay, donc ça va. Ça va faire 6 mois que je l'ai et genre, j'ai utilisé que ça. Et je fais souvent du cosplay. Donc du coup, c'est fort pratique, c'est très très bien. Voilà, après que tu ressembles bien à un cadavre, que tu ne ressembles strictement rien, que tu es blanc comme un cul, tu vas prendre ta petite... poudre libre. Moi c'est la poudre libre pour que j'achète tout ça à Jiffy parce que genre elle coûte pas cher et genre il y en a beaucoup dedans et genre elle dure et je prends cette teinte là genre pour mes cosplays parce que genre c'est vraiment une teinte super pâle, genre méga blanc vous voyez. Et la houppette qui est dedans, elle est vachement bien, elle est grosse, elle prend bien genre comment je peux expliquer ça, elle prend bien la poudre donc du coup elle tombe pas et c'est pratique, je trouve que c'est plus pratique que les petites houppettes ou genre la fibre, enfin tout s'en va, donc j'aime bien. Je
qu'après que tu aies fait ton teint blanc cadavre, moi ce que je fais c'est que je prends une petite palette quand même, parce que j'aime pas être trop blanche comme ça, genre vraiment ça fait trop, mon visage il fait trop figé, j'aime pas trop. En fait je prends une palette de marque Max & More encore une fois, c'est encore de chez Action, elle m'a coûté 3€. C'est la palette 02, c'est une nude. Et en plus, un truc qui est très bien pour le prix quand même, c'est que genre, je sais pas si vous voyez, juste là, mais il y a un petit lapin. Ça veut dire que c'est cruelty free. Et ça, c'est très très bien. Parce que la souffrance animale, c'est pas très très bien. Et après, sur les autres, c'est pas marqué genre... c'est pas marqué cruelty free ou non, mais vu que c'est la même marque, je suppose, qui sont cruelty free, genre ma base et tout ça. Donc ce que je fais, c'est que je prends... Oh, la palette est dégueulasse. Je prends ce marron là, je viens le mettre sur mes joues, juste pour donner genre juste pour un peu donner de couleur quoi, que j'ai pas l'air d'une morte quoi, parce que sinon c'est pas drôle quoi. Voilà, donc c'est pas énorme, mais moi en vrai je vois quand même une différence. Donc, je fais par la suite... C'est que je prends encore une palette de chez Action. La meuf trop ratasse qui prend tout chez Action. Mais en vrai c'est super bien, c'est pas cher. Et puis c'est vegan, enfin c'est pas vegan, c'est cruelty free. Donc là je vais prendre la palette Glow and Highlighter Palette. Tout le monde, c'est genre c'est un... Des highlighters, là vous en avez un bleu. Là un gris, gris violet. Là vous avez un beau gris. Là vous avez un peu un vert jaune, là un rosé jaune. Et là un beau bleu. Donc du coup moi celui que je vais prendre c'est celui qui fait un peu rose doré là, celui-là. Et je mets du coup là où tu dois mettre de l'highlighter. L'étape de l'highlighter est finie, bon là ça se voit pas trop, mais après vous mettez la dose que vous voulez. Moi j'aime bien mettre là et au-dessus des lèvres. J'aime bien quand ça brille. Puis on a vraiment le reflet rose, donc j'aime bien, voilà, c'est, je trouve ça cute. Donc ce que je fais ensuite, c'est que je prends une palette d'ombre à paupières scintillante, en fait, comme ça, de chez Claire's. Et elle m'a coûté 9,99€. Et c'est quand dire, c'est genre des fards, je sais pas comment vous l'expliquer. Attendez, je vais prendre un pinceau parce que j'ai pas mal mettre ça au doigt. Et c'est gras en fait. Enfin, c'est pas que c'est gras, c'est que c'est un gel pailleté avec de la couleur. Et ce que je fais, c'est que je prends genre Et je sais, elle est rendue là, mais j'ai fait des cosplays d'où c'est qui, hein, forcément, tu bouffes des pailles, attends, tu ne bouffes que ça pendant des mois, et des mois, que ça. Donc du coup, moi, vu que chez Miku Sakura, ce que je vais prendre, c'est du rose, là, un peu, prends très légèrement, et je les mets, genre, là où j'ai mis de l'highlighter, un peu, et je tamponne. Ça m'arrive qu'à moi ce genre de merde. Je disais, tu prends tes petits fards et tu tamponnes avec un pinceau qui tient sa mère. Tu fais pas ça avec un pinceau qui ne tient pas. Et voilà, tu tamponnes. Ensuite, parce qu'on n'a jamais trop de paillettes, hein, voilà, parce que réellement, depuis que j'ai regardé Useki, depuis que j'ai commencé le cosplay d'Useki, les paillettes, j'en bouffe et je kiffe, hein, j'en peux plus. Donc du coup, je prends cette palette de eMagic Pro Professional Cosmetic Beauty Glitter Palette. C'est une marque, enfin c'est une palette que j'ai trouvée sur Amazon. Elle m'a coûté, je crois, 14€ et c'est que des... En fait, c'est des paillettes compressées exprès pour les yeux. Donc, vous voyez, ouh, c'est joli, hein, c'est shiny. Et ce que je fais, c'est que du coup, je vais prendre... Vous voyez, tu vois, ça brille. Et j'en remets un tout petit peu là, vraiment légèrement. Parce que là, les paillettes qu'on a mises, en fait, elles avaient du blanc. Donc là, tu remets un peu... Ouh là. Bon, bah là, en fait, tu mets un peu de rose, quoi. Et tu tamponnes bien, bien, bien. Tu fais, c'est que tu reprends ta petite palette là, juste là, et tu vas prendre du blanc que tu viens prendre légèrement encore une fois avec ton doigt, et là tu viens en mettre un peu plus au-dessus là, voilà. Du coup, ce qui va se passer après, c'est que oh seigneur, qu'elle est dégueulasse.
C'est que je... Alors, parce que c'est une palette que j'ai aussi achetée sur Amazon. Vous savez, les grosses palettes avec plein de couleurs. Donc, les voici mes couleurs. Vous regardez pas, elle est follement dégueulasse. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une pinceau-nez unicorn. Voilà, ils sont bien. J'ai aussi acheté sur Amazon, genre tous les pinceaux et tout ça. Enfin, tout le set avec la pochette holographique pour 20 euros, je crois. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une couleur super claire. Genre, je vais prendre... Celle-là, c'est un beige très clair. Je prends du coup. Par contre, les fards, ils sont bien, mais ils sont vachement poudreux. Je sais pas si on voit. Ah si, oh la vache. Et du coup, je les prends et je les mets sur toute ma paupière. Après, moi, ce que je sais, c'est que je prends un marron. Donc, je prends celui-là. Avant, je prenais celui-là, mais avec le teint que j'ai en ce moment, il vaut mieux que je prenne celui-là. Donc, je prends celui-là. Je mets très légèrement, genre en creux de paupière en fait. Voilà, faut vraiment que ça soit léger. Je sais pas avec la caméra si ça change grand chose, mais pour moi en vrai, je vois que ça change quand même pas mal. Pas mal de choses. Moi, ce que je fais ensuite, c'est que je reprends ma palette comme ça de chez Action, la Max & More. Et je vais prendre il ou le elle personne. Voilà. Et je vais prendre un pinceau tout fin. C'est que genre là j'ai un fard qui est irisé rose, là juste là je le prends et je vais le mettre en dessous de mes yeux. Et voilà. Et après, ce que je fais avec cette même palette, c'est que je prends un marron. Moi je prends ce marron là qui est aussi un peu irisé. Je le prends. Et je mets juste là, mais genre très légèrement, juste ici. Voilà. Bien, ça fait la délimitation entre l'highlighter que j'ai mis sous mes yeux et voilà, j'en mets vraiment juste là. Et parfois, ce que je fais, c'est que aussi, je reviens juste ici sur le dessus. Quand j'en ai envie, bon bah là, écoutez, j'en ai fait d'un côté, donc à refaire de l'autre. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais passer à l'étape des lèvres parce qu'en fait, j'ai pas une énorme bouche en fait. Même pas du tout. Je mets une bouche de merde, toute fine sans rien. Mais ce que j'essaie de faire, c'est que là, vu que j'ai mis j'avais mis du fond de teint, je l'ai matifié en mettant de la poudre. Ce que je sais, c'est que avec, je prends un rouge à lèvres, c'est de la marque Laka Inco. Je sais pas, c'est ma mère qui me l'a donné. Et ce que je sais, c'est que doucement. Je viens juste un tout petit peu marquer le creux de mes lèvres, mais genre, enfin, entre mes deux lèvres, mais genre très légèrement. Voilà, c'est ce que je fais en général, donc vous voyez, c'est léger, c'est pas flac, mais moi ça me permet de moins ressembler à un cadavre. Genre, oui, je sais, j'utilise beaucoup de cadavres dans cette vidéo, c'est un truc de dingue, hein. Mais ça me paraît, enfin, ça me fait donner un teint plus... plus comment dire réveillé, on va dire, et frais. Du coup, ce que je fais avec le même pinceau, c'est que je viens dans ma palette du coup de chez Claire, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je prends la teinte la plus claire et je viens le mettre en fait dessus mes lèvres en tapotant en guise de gloss en fait, en évitant de prendre trop de paillettes parce que là, des endroits où il n'y a pas trop de paillettes dessus, donc voilà. Là, c'est léger, mais. C'est trop mignon, je trouve que ça va bien avec mon cosplay. Maintenant, on va passer une étape qui est quand même importante de mes make-up, c'est que je vais reprendre la palette comme ça de chez l'Amazon. Je vais prendre une couleur rose, ni trop claire ni trop foncée, parce que je me suis teint les sourcils en noir comme une con. Du coup, pour les teindre, c'est compliqué. Là, on va essayer de les teindre en rose, sans trop faire de dégâts. Une fois que tes sourcils sont faits, que tu ressembles à un homme de compagnon version rose bonbon, eh bien tu vas passer à l'étape fatidique de l'eyeliner. Hein, tu vois, cette petite merde avec laquelle tu galères et que si tu te foires, tout ton maquillage foire parce que tu dois faire refaire ton teint, tes yeux, tout. Donc du coup, je te reprends juste après avoir fait le trait du chétan. Et à tout de suite. Une fois que tu as fini de galérer avec ton eyeliner, ce que moi j'ai fait, c'est que du coup Miku Sakura c'est rose et tout ça, mais c'est aussi une cerise sur ma perruque, genre
de 4 grosses cerises là au niveau des couettes. Donc du coup ce que je vais faire c'est que avec ma palette là, je vais prendre un rouge mais genre très léger, genre vraiment léger, et je vais aller enrayer mon cil juste là, mettre un tout petit peu de rouge pour juste faire un rappel des cerises. Donc du coup, une fois que tu as fini ton teint, que tu as fait tes sourcils, que tu as fait tes yeux, que tu as fait ton eyeliner, tes lèvres, ton petit glow glow, et ben on va passer à l'étape des fossiles. Voilà, me demandez pas d'où viennent ces fossiles, c'est Babineuse qui me les a offerts. Parce que moi je retrouve plus du tout des fossiles que j'avais commandés sur AliExpress qui étaient juste géniaux, qui ressemblaient à ceux-là, mais il y avait aussi ceux du bas avec, et genre je me rappelle que genre j'avais eu les deux boîtes pour moins de 10€ et genre c'était 10 paires. Et c'était juste trop bien. Je ne mets plus la main dessus, je les retrouve plus. Elle les a trouvées par je ne sais pas quelle bonté de Dieu. Donc du coup elle m'a dit bah écoute, je vais t'en donner telle la bonne personne qu'elle est. Donc du coup je te fais des pis sur ta gueule. Et du coup voilà, on passe aux fossiles. Donc voilà, une fois que les bêtes sont mises, on va mettre un peu de mascara pour, comment vous dire, pour les unir, pour les mettre ensemble, pour cacher mes cils, parce que du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'avec la poudre et tout ça, ils sont devenus un peu blancs. Donc du coup, je les mets ensemble. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire les tout petits cils du bas, parce que du coup, comme je vous ai dit, eh bien, je n'ai plus ceux que j'avais acheté sur AliExpress, moi je les retrouve plus. Si un jour je retombe dessus, bah je me les recommande. Et là pour le moment, c'est la dèche au village, hein, comme dirait l'autre. Hein. Voilà, les cils du bas sont faits. Maintenant on va attendre un peu que tout cela sèche. Et nous allons mettre les petites lentilles. Quoi, les petits. Voilà, quoi. Oui, moi mes lentilles, je les fais en fin maquillage parce que vu que je me maquille comme un bourrin, j'ai pas envie que ma lentille passe derrière ma paupière comme c'est déjà arrivé avec une certaine personne que je connais très bien. Voilà, hein, on dira pas le nom. Donc du coup, moi j'ai pas envie que ça arrive dans mes yeux, donc du coup je les mets à la toute fin. Et moi franchement, j'ai mis aucun problème, je fais ça depuis que je mets des lentilles et tout va bien, donc du coup je vais continuer. Du coup mes lentilles, moi je les ai achetées sur CosplayMad, voilà c'est... le post que je vous ai mis sur Instagram, d'ailleurs si tu veux aller t'abonner, mon Instagram c'est Quinty, mais avec un E, parce que Quinty sans E c'était déjà pris, et du coup si tu mettras un E, et le lien est dans la barre d'infos. Donc du coup on prend les petites lentillas, elles sont trop belles. Voilà, une fois que les enfers sont mises, un petit temps d'adaptation. Oh, putain, moi je vais pas pleurer quand même. Je pleure jamais pratiquement. C'est pas là que je beulais quand même. J'ai essayé de vous les montrer de plus près. Du coup, voilà ce que ça donne de près les lentilles. En fait, je sais pas si vous voyez, mais autour, vous avez donc les pétales. Et là, juste là, vous avez des petites. Je sais pas si c'est l'hiragana du. Enfin bref, c'est écrit en japonais dedans. Et c'est un petit truc que j'ai bien aimé en fait. Et le fait que ça soit des fleurs de cerisier aussi, j'ai kiffé, et je trouve que bah d'habitude les cosplayeuses de Miku Sakura elles ont des lentilles rouges ou rosées. Et là je me suis dit je vais prendre celle-là, je vais les tester. Et ça me plaît bien, moi j'aime bien. Le maquillage là il est fini. Ce que j'ai fait c'est que maintenant j'ai allé mettre ma base, mes ponytails. Et comme je vous disais tout à l'heure, j'ai pas encore mes cerises et tout ça. J'attends encore des fleurs de cerisier, des fausses fleurs de cerisier que j'ai collées un peu partout sur mon cosplay, que je vais mettre aussi dans mes cheveux. Donc voilà, c'est des petits détails, mais pour moi ça compte. Donc du coup, on les aura. Enfin, c'est très perturbant. Je regarde d'un coup en haut et d'un coup je vous regarde là. Je suis désolée, ça va venir avec le temps, les enfants. Voilà, voilà. Donc du coup, on va aller mettre le chien mort. Et après, ça sera fini, quoi. Et puis lundi. Donc je vous fais à toutes et à tous.
Je vous dis à toutes et à tous de gros bisous. À bientôt et restez connectés. Allez, les beans.